Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien, comme vous pouvez le voir, on va s'attarder aujourd'hui sur une toute nouvelle figurine, une figurine de Champa. Alors, je dirais que c'est la première figurine de Champa en dehors des UDM et WCF. Là, on parle d'une figurine plus grande, une vraie figurine entre guillemets. Et donc, c'est un joujou qui est apparu au Japon le 24 mars dernier. Chose plutôt marrante, c'est qu'elle est quasi introuvable. C'est-à-dire que celle-ci est proposée principalement dans les Game Center pour les choper dans les UFO Catcher, donc les machines avec les pinces. Et en boutique, en vente, c'était galère pour la trouver. Alors, du peu que j'en ai vu, elle est vendue dans les 3000 yens. Donc, c'est vraiment une figurine qui est devenue plus ou moins rare de ce que je peux en constater dans les boutiques japonaises. Boutique de Tokyo, précisément à Akiba. Franchement, c'était la grosse galère. Donc, niveau prix, je peux pas vous dire exactement c'est quoi son prix de base. Moi, je dirais, étant donné que c'est une DX, je dirais que normalement ça coûterait dans les 1500, entre 1500 et 2000 yens. Sauf que là, je l'ai vraiment vu dans les 3000 un peu partout. Je pense que les collectionneurs se sont précipités dessus puisque la Champa, c'est sa première modélisation en termes de grandes figurines. Et je pense que les gars se sont jetés dessus pour la choper. Bref, dans les Game Center, il n'y en a quasiment plus. Et pour la trouver, encore une fois, c'était un peu galère, surtout pour moi. Donc voici la boîte Champa Classic DX. La qualité n'a pas l'air folle, mais bon, on parle toujours de DX, donc c'est pas foufou. Alors celle-ci, voilà, elle est sortie en même temps que la Goku, que vous pouvez voir ici, avec la tenue Dragon Ball Super, que je trouve, vraiment pas terrible. Je sais pas ce que c'est comme tête, je sais pas c'est quoi cette touffe qu'il a, le pauvre Goku. Par contre, celle-ci, ce qui est marrant, c'est qu'on la trouve vraiment partout, quoi. Mais partout, que ce soit en magasin, en Game Center, où vous voulez, personne n'en veut. Niveau prix, je l'ai vu tourner entre 1500 et 2000 yens, mais on peut la choper facile à 1000 yens, voire en dessous. Pour vous dire à quel point tout le monde s'en fout. Ici la Champa, donc la boîte DX simple avec le doigt levé. Donc c'est licencié, comme vous pouvez le voir, Dragon Ball Super. Et c'est Banpresto qui se charge de l'édition. Allez, on ouvre la bête, on ouvre la boîte. Voilà. Boîte. Alors rien, classique. Un carton de protection à l'intérieur, papier bulle. Oh, marrant. Donc elle est divisée en 4 pièces, un socle, le corps entier et les deux bras. Un bras et la queue. Alors le socle classique, pas terrible, en plastique noir, on s'en fout. Hop, la tête de Champa. J'ai l'impression de voir un fuck, mais c'est pas le cas. Hop là. De ce côté-ci, le socle, ça se clipse, et voilà. Donc, Champa, sous diverses facettes que je trouve moyenne, très moyenne. Pas de dégradé, uniquement des couleurs sous un ton unique, très plastique. Le regard... plutôt moyen. Dans l'ensemble, ça reste correct, mais pas de quoi sauter au plafond, pas de quoi... j'ai envie de dire, pas de quoi claquer 3000 yens dans ça quand même. Hein. Bon, après, je peux comprendre que ce soit une figurine rare, que certains collectionneurs se jettent dessus tête baissée, mais c'est pas foufou, quoi. Regardez aussi au niveau des bottes, c'est genre marron simple. Bon, un petit côté doré ici. Pantalon rouge, rien de fou, modélisation correcte, ça va, les proportions ne sont pas dégueulasses, mais c'est tout, voilà, pour Champa. Alors niveau taille, on a en gros, soc compris, du 17 cm, ouais, 17,5, bon, allez 18, dans ces eaux-là. Bon, ça reste correct.
Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.